c'était vraiment une bonne idée de venir ici, tu ne trouves pas, Kenji? Oh, Itsuki, cet endroit est vraiment trop génial, c'est le plus beau jour de ma vie. Takumi! Hein? Hé, Takumi, on est là! Tu veux venir nager avec moi, mon grand? Ben, je sais pas, moi, c'est que... Oh oui, on arrive, les filles! Super, je vous attends! Allez, dépêchez-vous! Oh oui, on arrive! Oh, on a bien fait de venir, les gars! La vue est splendide ici! Et vous, monsieur Iketani, vous voulez venir avec nous? Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous amusez pas, c'est ça? Moi? Si, si, je t'assure. Dis-moi, Takumi, ça te dit d'aller faire un tour dans le toboggan? À vrai dire, je crois que je préfère encore rester ici. C'est tout lui, ça. C'est un vrai petit bout en train. Et nous, est-ce qu'on peut venir avec toi, Sayuki? Très bien, pourquoi pas. Je vous accepte en bonus. Ouais, on va faire un tour dans le toboggan. C'est parti. Allez, Takumi, t'as pas le choix, mon vieux. Et arrêtez, les toboggans, c'est vraiment pas mon truc, vous savez. Quoi, tu veux rire avec les dérapages que tu fais? Hein? Sayuki ne s'avoue jamais vaincue. Elle est comme ça, on s'y habitue vite. Ce n'est pas vraiment un défaut, et puis on dirait que ça leur déplaît pas. Et ça n'a pas gêné votre patron que vous preniez tous un jour de congé en même temps? C'est sûr qu'il a fait un peu la tête, mais il ne pouvait vraiment pas refuser vu comment on a insisté. Elle est magnifique. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Au moins, j'aurais vu Mako en maillot de bain. Ça restera le plus bel été de toute ma vie. Je ne pourrai jamais l'oublier. De toute façon, je suis bien conscient qu'elle était trop bien pour moi. Iketani? Hein? Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi. Oh, arrête! Non, je tenais à vous le dire, monsieur Iketani. J'ai vraiment appris énormément de choses l'autre jour, et ça, c'est grâce à vous. Oh, Mako. Je sais que je vous ai causé beaucoup de tort, mais j'ai finalement décidé de ne pas raccrocher. Tant mieux, je suis soulagée. À vrai dire, je ne voulais pas que tu arrêtes de courir, Mako. Avant ma course contre Takumi, je croyais que ça me suffisait que tout le monde me considère comme la meilleure coureuse d'Usui. Si tu ne redresses pas, on va faire un tête-à-queue. Depuis que j'ai fait cette course, je crois que je me suis rendu compte de l'ampleur de la technique à acquérir avant de pouvoir contrôler parfaitement une voiture. Et donc je me dis que si j'arrêtais maintenant, je n'aurais fait les choses qu'à moitié. C'est ce que cette course m'a appris. Je suis vraiment content pour toi, Mako. Et puis, je suis heureux d'avoir pu t'apporter quelque chose. Écoutez-moi. Vous vous souvenez de ma promesse? Celle que je vous ai faite l'autre jour quand nous parlions au bord du lac? Je me rends compte que je me suis sûrement mal exprimée. Vous avez peut-être mal interprété ce que je voulais dire. En réalité, il ne s'agissait pas d'un marché, monsieur Iketani. Je suis prête à m'offrir à vous. Retrouvons-nous à 8h ce soir, sous l'enseigne où nous nous sommes rencontrés. J'attendrai. Ce serait possible d'aller un peu moins vite. T'es trop mignon. Je sens sa poitrine dans mon dos. Tu vois, dans mon dos. Je sais, c'est pitoyable. Mako, tu peux renvoyer la balle? La balle, Mako. Oh.
Ryosuke Takahashi? Tu es prête, Sayuki? Attention! Hey! Apprends à viser, Mako! Désolé, mauvais contrôle! Je suis vraiment nulle à ce jeu. Qu'est-ce qu'elle fait avec une photo de Ryosuke dans son sac? Est-ce que vous avez un problème? Non, ça va. Dis-moi. Je me demande quelque chose, Mako. Oui, quoi? Tu m'as dit que tu n'avais jamais eu de petit copain. Est-ce que c'est la vérité? Oui. Mais tu as bien dû être amoureuse de quelqu'un, non? Ça t'est sûrement déjà arrivé. Oui, c'est vrai. Mais alors, si tu étais amoureuse d'un garçon, pourquoi tu n'es jamais sortie avec lui? Je ne comprends pas, tu es quand même très jolie. Je suis sûre que tu fais tomber les mecs comme des mouches. Eh bien, c'est comme ça. Il n'y avait aucune chance qu'il se passe quelque chose entre nous. Et il fait quoi dans la vie? En fait, c'est... c'est un coureur, lui aussi. Je me souviens, j'étais encore au lycée. Donc ça doit faire 3 ans. J'allais souvent voir des courses avec des amis. À l'époque, je n'y connaissais vraiment rien. Pourtant, je me souviens que sa manière de conduire m'avait beaucoup impressionnée. Il était différent des autres. C'était évident, même pour une novice comme moi. C'est après l'avoir vu conduire que je me suis mise à m'intéresser au monde des coureurs. J'ai trouvé ça fascinant. Alors j'ai passé le permis et je me suis acheté une voiture. Ensuite, j'ai commencé à m'entraîner comme une folle, jour et nuit. Je ne voulais plus qu'une seule chose, réussir à atteindre le même niveau que lui, petit à petit. C'était mon but. J'ai continué à aller le voir courir. J'étais toujours aux premières loges. Cependant, je n'ai jamais osé lui adresser la parole. Ah. Je ne sais même pas si ce que je ressentais pour lui était réellement de l'amour. Ou alors si c'était tout simplement une sorte de fascination pour son style de conduite. Je vois, mais tu l'aimais, non? Oui, c'est vrai. Je l'aimais énormément. C'est bizarre. D'où vient cette douleur? Je n'avais jamais ressenti ça avant. Quel idiot, je n'aurais pas dû lui demander. Je la sens loin de moi maintenant. Quand je pense que le type dont Mako était amoureuse, c'est Ryosuke Takahashi, le meilleur pilote de Gunma. Ah, je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que l'AFC est sa voiture préférée. Oh. C'est pas possible. Je ne peux pas lutter. Initial D. On dirait qu'il s'est enfin décidé à faire une course contre la 86 d'Akina. Alors, qu'est-ce que tu fais, Keisuke? Tu viens avec moi? Hein? Est-ce que ça te tente que je te montre la mise en application de ma théorie? Ta théorie? Oh, ça faisait bien longtemps que je m'étais pas autant éclaté, moi! Y a pas à dire, c'est quand même vachement mieux de pouvoir aller à la piscine avec des filles. Pas vrai, Takumi? Je ne sais pas, mais je croyais que toi, tu étais resté tout le temps avec Kenji.
Et puis il faut avouer qu'elles sont drôlement sympas, Mako et Sayuki, t'es pas d'accord? Toi alors, tu changes d'avis comme de chemise, dis donc. C'est pourtant toi qui nous rebattais les oreilles comme quoi les coureurs n'avaient pas besoin de filles, non? Oui, mais elles, c'est pas pareil. Salut, Itsuki! Je les imagine encore toutes mouillées dans leur joli petit bikini provoquant. C'était trop génial! Oui, Sayuki a une sacrée poitrine, mais Mako est encore mieux. Non seulement elle est mignonne, mais en plus elle est trop sexy. Pas vrai, Iketani? Si, si. T'as raison, elle est pas mal. Pas mal? C'est tout ce que tu trouves à dire, mon vieux? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as l'air déprimé. Tu t'es disputé avec Mako ou quoi? Non, non, ça n'a rien à voir. Je suis juste un peu fatigué. Mais qu'est-ce que tu viens faire là, Iketani? Ben, je voulais m'excuser d'avoir pris un jour de congé, patron. Quoi? Tu plaisantes, j'espère. Tu es jeune, il faut bien que tu prennes le temps de t'amuser un peu quand même, non? Et puis, je dois avouer que je te comprends. Tu es un passionné de voiture et tu as à peine le temps de t'occuper de ta petite copine. Ça ne va pas être facile tous les jours. Eh bien... Accroche-toi, fiston. Comment elle s'appelle, ta chérie, déjà? Mako, c'est bien ça? Tout va bien entre vous? En fait, j'ai l'impression que cela ne va pas être possible. Ah? Oh, mais c'est pas grave, je savais bien que c'était pas une fille pour moi, de toute façon. Arrête de dire des bêtises, Iketani. Écoute bien ce que je vais te dire à propos des femmes. Mais non, c'est pas grave, je vous assure. C'est bon, je me suis fait une raison, maintenant. Je ne fais pas le poids contre Ryosuke Takahashi, et c'est tout. Comment? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce qui se passe? J'arrive à peine à le suivre. Il n'a pas du tout modifié sa FC pourtant. Alors pourquoi? Ma façon de concevoir la vitesse a évolué avec mes dernières données. Tiens-toi prête, 86 d'Akina. Quand j'en aurai fini avec toi, ton nom viendra s'ajouter à mon palmarès. Arriver avant lui. J'ai déjà du mal à respirer. J'ai l'impression que mon cœur va exploser. Je me demande dans quel état je serai quand il va arriver. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'y comprends vraiment rien. Ça me désole vraiment de voir à quel point tu peux être stupide parfois. Mais... Tais-toi un peu. Écoute, je comprendrais peut-être ta réaction si Mako sortait effectivement avec Ryosuke. Mais là, c'est sûrement rien de plus qu'un petit béguin. C'est typique chez les jeunes filles de son âge. Elle ne l'aime pas réellement, elle l'admire, comme on peut admirer les stars de la télé, c'est tout. Vous êtes sûr? Iketani, réfléchis un peu pour changer. C'est toi que Mako a choisi, pas Ryosuke. Sinon, pourquoi elle t'aurait fait sa déclaration, hein? Est-ce que tu es aveugle à ce point? Cette fille te fait tellement confiance qu'elle t'a ouvert son cœur. Ça n'arrive pas tous les jours, nom d'un chien. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu ne peux quand même pas laisser ton complexe d'infériorité tout gâcher entre vous. Il faut te souvenir d'une chose, Iketani. Aimer, c'est savoir accepter l'autre comme il est. C'est bien comme ça l'amour, il me semble. Je suis pas complètement fou quand même. Quoi? À 8h? Oh, espèce d'imbécile! Il est déjà 8h30 passé! Oh, alors c'est trop tard. Même en roulant vite, il faut au moins une heure pour aller jusqu'à Yokukawa. Mais ça m'étonnerait beaucoup que Mako attende aussi longtemps. Je te dis d'y aller! Tu ne pourras en avoir le cœur net que si tu vas vérifier par toi-même! Vas-y, sinon t'es viré! Ah.
Vas-y, fonce, Ketani. Prouve-moi que tu es un vrai coureur. Il faut que tu tentes le tout pour arriver à temps. Mais malgré ses efforts, je crois bien qu'il arrivera trop tard. Bah, il faut bien que jeunesse se passe, non? Le patron a raison. Je suis vraiment stupide. J'aurais sûrement du mal à rencontrer une autre fille comme Mako. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je sois aussi borné? Je m'appelle Mako Sato. Vous pouvez m'appeler quand vous voulez, d'accord? Je vous ferai don de ma virginité. À 8h ce soir, sous l'enseigne où nous nous sommes rencontrés. J'attendrai. Elle a toujours été sincère avec moi. Alors que moi... je ne suis vraiment qu'un abruti. Ne t'inquiète pas, Mako. Je m'en fiche qu'on couche ensemble ou pas. En fait, ce que je voudrais... Ah non, je ne peux pas lui dire ça. En fait, ça me suffit largement de pouvoir contempler ton visage. Seigneur, je vous prie, accordez-moi une chance. Ne me reprenez pas, mon ange. Un bouchon! Il y a eu un accident? Et pourquoi il faut que ce soit sur cette route? Non, c'est pas vrai! Dites-moi que c'est pas vrai! Pardonne-moi, Mako. Bon, c'est décidé, je ne porterai plus de sandales. Slow down, 1秒
Voici la première vidéo de notre groupe qu'on vous offre en cadeau. Ça s'appelle Electrize. Et attention, ça va faire mal. Gala vous offre Kiseki no Hana, la chanson du générique. À croire que c'est déjà Noël. On offre également à 50 d'entre vous les mangas d'Initial D, du numéro 1 au numéro 12. Il vous suffit d'envoyer une lettre à l'adresse affichée à l'écran. C'est pas génial, ça? Dans le prochain épisode d'Initial D, le défi de la superstar. Ne le ratez pas.